Angels fans. La ponctuation et la mise en page d'un texte nous aident à comprendre ce qu'on écrit. Elles nous permettent de mettre de l'ordre dans nos idées. Quand une période de notre vie prend fin, il nous paraît parfois très difficile de finir un chapitre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les garçons de notre école rencontrent ceux de l'Académie Argent. Ils ont l'air de bien s'amuser. Viens, on descend les voir. On sait qu'il est difficile de partir, mais nous avons tous besoin de vérité, d'honnêteté et du soutien de ceux qui nous entourent. Vas-y, tire, Mathéo! Ils vont croire que t'as peur! Génial! Et on apprécie toujours de pouvoir compter sur un ami. Romain va nous faire passer pour des idiots! Je parie qu'il va encore perdre le ballon. Ah, c'est pas vrai! C'est fini, le match est terminé, la victoire revient à l'Académie Argent. Ouais, c'est ça. Ouais, meilleur. Et voilà, on a perdu. Je vous avais dit que Romain était un désastre au basket. Tu dors ou quoi? Tu nous as fait perdre le match. Tu leur as offert le dernier point. Quelquefois, on aimerait arrêter les choses quand on est dans une mauvaise situation. Ce n'est pas toujours facile de regagner la confiance de nos amis. Il faut de la patience. Et surtout, il ne faut pas prendre des raccourcis dangereux. Tu as fait de ton mieux et puis il ne faut pas t'inquiéter, ce n'est que du sport. Peut-être, mais c'était un match de basket devant toute l'école et je me suis ridiculisée. Tu as besoin de t'entraîner encore un peu, mais tu ne t'es pas ridiculisée, tu t'es bien défendue. T'es sûre? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu les commentaires des trois filles derrière toi. Oui, et alors? Tu crois que je suis comme elles? Non, j'ai jamais dit ça. Tu ne l'as pas dit, mais on dirait que tu le penses. Je rentre chez moi toute seule, comme ça tu auras le temps de réfléchir à tout ça. Julia! Je suis vraiment le dernier des idiots. La fille la plus sympa de l'école veut plus me parler maintenant. Romain ne sait plus où il en est. Il n'a plus du tout confiance en lui. Il réagit comme un enfant. Il devrait jouer le gars insensible comme moi. Arrête de jouer les gros durs avec moi, ça ne marche pas. Rappelle-toi que je t'ai battu plus d'une fois depuis qu'on se connaît. Ouais, mais je t'ai battu aussi, mon ange. Salut! Bonjour, jeune homme, approche. Qui est cet homme? Je l'ai jamais vu. On se connaît? Non, pas encore. Mais je suis peut-être ton meilleur ami. Arrêtez de vous moquer de moi. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. J'ai vu que tu t'étais disputé avec ta magnifique petite copine. On ne s'est pas disputé. Si tu le dis. Mais reconnais que tu n'as pas fait bonne impression pendant le match. C'est vrai. Les filles n'aiment pas trop les perdants. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous nés pour devenir des champions. Les gars comme toi et moi ont besoin d'un peu d'aide. Qui vous êtes exactement? Personne en particulier, juste quelqu'un qui peut t'aider. Si tu avales une gorgée, tu joueras au basket comme un professionnel. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des produits spéciaux, introuvables en magasin. Pourquoi ils sont interdits? Quelle importance qu'ils soient autorisés ou pas, puisque ça marche. Non, je suis sûre que cet homme a de mauvaises intentions. On dirait qu'il veut empoisonner Romain. Calme-toi, tu réagis un peu trop violemment. Décide-toi rapidement, je vais pas rester toute la journée. Si tu hésites, je reviendrai demain à la même heure. Si jamais tu as envie de devenir un vrai dur. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à ne jamais accepter de bonbons d'un étranger. Je suis sûre qu'il n'en prendra pas. Cet homme a du culot de lui proposer ça. C'est à Romain de décider, pas à toi.
Je suis bien contente de ne pas avoir à le convaincre de ne pas en acheter. Mais moi, je dois le forcer à faire le mauvais choix. Non, tu n'as pas le droit de le tenter parce que tu mettrais sa santé en danger. Et alors, je vois pas où est le problème. Tu as oublié que je suis un démon. Non, je le sais, malheureusement. Raph ! Attends-moi, je veux savoir où tu vas. Dans la chambre des défis. Je veux gagner et approcher Romain avant toi. Tu me défies, là ? Pas de soucis. Ça ne te gêne pas de faire une compétition de surf ? Le premier arrivé à la bouée est le gagnant, comme la dernière fois. Oui, mais cette fois, je ne te laisserai pas tricher. Tu devras te battre à la loyale et je sais que tu auras beaucoup de mal. Tu vas perdre encore une fois. C'est ce qu'on va voir. Pouvoir de vitesse. Rendez-vous à l'arrivée, escargot démon. Elle est rapide, c'est vrai. Mais j'ai une idée. Je vais créer une vague gigantesque et je la battrai sur la ligne d'arrivée. Pouvoir de la force. Voilà, ce sera parfait. Et maintenant, je m'occupe de l'eau. J'y suis presque, mais je suis sûre que Sulfus utilisera une de ses ruses. Coucou, Raph. Tu devrais plonger si tu veux pas être emporté par la vague. Qu'est-ce que je peux faire? Attention, j'arrive, mon ange. La vague va m'écraser si je ne me pousse pas. Eh ben alors, tu t'es fait surprendre par ma vague? Arrête de te moquer de moi. Et voilà. Ça y est, j'ai gagné. Eh oui, c'est ce que je vois. J'ai même pas eu à tricher pour te battre. Ça, c'est ce que tu dis. On était bien d'accord sur les règles du défi. Le premier arrivé à la bouée gagnait la partie et s'occupait de Romain en premier. N'y va pas, Sulfus. N'essaie pas de le convaincre d'avaler ce poison dangereux. Je ne te le pardonnerai jamais. Ah. Nous continuerons le cours après la pause. Et tu m'en veux encore? Je ne t'en veux pas, Romain. Tu m'as déçu, c'est tout. Moi, j'en ai rien à faire du résultat de ce match de basket ridicule. On joue la revanche contre l'Académie Argent demain. T'es au courant? Oui. Et alors? Je m'en moque. Tu nous fais pas perdre le match, hein, cette fois. Ou tu nous le paieras. Et ben voilà, on arrive au bon moment pour intervenir. Tout de suite, Romain est très en colère après lui. Mais oui, c'est justement quand on est en colère qu'on a de mauvaises idées. Romain! Attends! Tu es bien Romain? C'est à moi que tu parles? Oui, évidemment. Tu me signes mon t-shirt? Mais l'autre jour, j'ai perdu le match. Qu'est-ce que tu dis? Impossible! Tu te fiches de moi? Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? T'as assisté au match ou pas? C'est moi qui me suis fait piquer le ballon à la dernière minute. Ouais, je sais. C'était un hasard. Et Julia, t'as pensé à ta copine? Bah non, pourquoi? Eh bien, c'est la fille la plus réputée de toute l'école. Tout le monde l'adore. Même les garçons beaux et athlétiques la regardent. Ouais. Et alors? Elle a choisi d'être avec toi. Mais elle ne voudra jamais d'un perdant. C'est vrai? Oh non, je dois faire quelque chose pour l'aider. T'as pas le droit de la décevoir. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois battre les gars demain. Ne gâche pas tout. Il a raison. Si je perds le match de demain, je passerai définitivement pour un nul. Et Julia se séparera de moi. Je devrais peut-être acheter la boisson miracle du type à la casquette. Je n'arrive pas à croire que Romain soit aussi peu sûr de lui. Arrête de bouger. Je voudrais essayer mon tout nouveau capteur de rêve. Auriez ? Qu'est-ce qui se passe, Raph? J'ai besoin de ton aide tout de suite, c'est très important. Romain va faire une bêtise, va chercher Dolce et Mickey. Je t'expliquerai. J'y vais. Cox, active la métamorphose. Je guide et je protège. Allez, maintenant au travail. Oh mince, j'y arriverai jamais. Je suis trop nulle. Continue à t'entraîner si tu veux t'améliorer. Et essaie de te concentrer. Plus tu t'entraînes et plus tu as de chances d'y arriver. Et si tu n'y arrives pas, au moins tu auras essayé. Bon, d'accord. Youpi, j'ai réussi. Oui.
continues comme ça et tu deviendras une championne. Oui. C'est juste une question d'entraînement. Tu vois, on te l'avait dit. Merci les filles. Qu'est-ce que je deviendrais sans vous? On doit y aller. À tout à l'heure. Salut, tu jouerais pas au basket par hasard? Qui, moi? Si. Tu veux bien m'apprendre quelques passes? C'est peut-être toi qui vas m'en apprendre. T'as l'air de très bien te débrouiller. Au basket? Non, c'était mon premier cours, mais mes copines disent qu'il suffit de s'entraîner. Comment on fait quand on n'a pas le temps? C'est impossible. Il faut essayer. Il doit bien y avoir un moyen moins fatigant que l'entraînement. Une sorte de raccourci. Tu comprends? Non, je vois pas trop. Et puis, moi, j'essayerai pas. J'aurais peur que ce soit dangereux. Oh. Dans la vie, il faut se donner les moyens de réussir les choses qu'on aime. Et c'est valable dans tous les domaines. L'école, le sport et même l'amitié. Ou encore l'amour. Tu veux t'entraîner? Tiens. Oh. Ça ne fait rien si tu ne marques pas à chaque fois. L'important, c'est d'essayer de s'améliorer, comme l'ont dit mes amis tout à l'heure. Salut mon pote, alors t'as réfléchi? Oui, je veux bien vous acheter une bouteille. Excellente décision, t'as de l'argent? Ah, parfait. Plus un geste! Vous êtes en état d'arrestation. Comment vous m'avez démasqué? Ce jeune homme nous a bien aidé. Toi? Tu as dit que tu voulais en acheter? Non, j'en veux pas. C'est pas bon pour la santé. Romain, c'est très bien. Vous serez derrière les barreaux. Ah, je suis contente. Je savais que Romain serait raisonnable. Eh ben cette fois, c'est l'ange qui gagne la partie. Tu m'as beaucoup déçue. Ce n'était pas bien de risquer la vie de Romain. Est-ce qu'elle me pardonnera un jour? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis trompée sur lui? Je n'avais des sentiments pour lui qu'à cause de la morsure de l'araignée? Ou bien, il y a quelque chose de fort entre nous? Je ne sais plus où j'en suis. Angel's Fans. Bien face au...